Il incarne à lui seul le courage et la détermination. Notre carnet de santé aujourd'hui, c'est un portrait qui est consacré à Philippe Ribière, grimpeur professionnel. Vous allez découvrir un homme hors du commun. Il a 5 fois moins de force dans les avant-bras qu'un grimpeur valide. Son dernier exploit, s'attaquer à un rocher mythique près de l'île de Majorque. Je vis dans l'idée de jamais avoir de regrets, quoi. Ses talents de grimpeur lui ont permis de briller dans des compétitions internationales et d'être le fer de lance de l'escalade pour handicapés en France. Médaille de bronze aux mondiaux handi-escalade en 2011, il vit de sa passion grâce aux revenus de ses sponsors. Il multiplie les conférences pour parler du handicap. Un film retrace même sa vie. Mon corps est mon costume unique, mon meilleur cadeau. Une chance, une différence, un art et un outil de travail. C'est qui? Pipo. Robotique. Ah, c'est Pipo. I wanna hear the story. Pipo. Close your eyes. Pipo. Service. Je suis mortadelle. Et coucou Télétubeurs, nous sommes dimanche un certain 26, 27, 28 janvier, je ne sais plus. J'ai un petit dilemme, c'est pas vraiment un dilemme, mais les poules, maintenant, ne dorment plus dans les box que je leur avais préparé. Ce box où elles pondent leur œuf. D'ailleurs, il y en a deux. Je leur ai pris des granulés pour les poules pondeuses qui ressemblent un petit peu à ce genre de truc. Et elles n'ont pas l'air hyper fans. Alors, si vous savez un petit peu à quoi c'est dû? Est-ce que c'est le changement d'alimentation comparé au maïs et aux graines mélangées que je leur donnais habituellement? Regardez, ce qui me fait dire qu'elles les aiment pas, c'est qu'il y en a toujours au sol. Elles ont pas l'air non plus hyper fans. Donc je me pose la question, est-ce que c'est parce que mes dames font un peu leur princesse et ne mangent pas ce genre de graines, ou alors il faut que je revienne aux graines mélangées de maïs et je ne sais quoi, graines de tournesol et tatatitata. Mais alors, sans transition aucune, c'est pourquoi j'avais commencé à faire ce petit opus. Alors, comme ça me saoulait, tout le temps, elles font leurs besoins. Du coup, ça dégouline là, stagne ici. Je viens de voir depuis un petit mois, il y a souvent des punaises marrons. Il n'y a pas les punaises vertes, mais des punaises marrons qui traînent un petit peu dans le poulailler. En hiver, c'est pas très grave parce que il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de mouches. Il n'y a pas d'insectes qui viennent s'inviter dans le poulailler. Et il n'y a pas encore cette odeur un peu forte et nauséabonde. Par contre, quand va arriver l'été, si je continue comme ça, non seulement je perds en qualité ici, là, le bois qui va moisir et ça va dégouliner ici, et après avec l'eau, ça va sur le gravier qui ruisselle sur le béton, et comme je disais, provoque une odeur nauséabonde. Voilà, c'est juste, je pense que je vais essayer pour le moment de rabaisser ce truc en plastique, on verra ce que ça donne. En fait, c'est pour que ça soit plus facile à enlever régulièrement, parce que là, à chaque fois l'enlever pour retirer, en fait, je vais juste passer avec une raclette, hop, et tout ça. Et deuxième question, c'est de savoir, et je vais regarder sur Internet, est-il possible d'utiliser les excréments des poules pour la mélanger à la terre, pour le compost? Pas si sûr pour moi, parce que il me semble que c'est hyper acide. Mais qu'est-ce que tu fais ici?
savais pas que les poules et les chats cohabitaient ensemble. Ben oui, tu veux décaler parce que j'ai été dur ces derniers temps. Hein. Ben oui, je sais. Mais il faut que je choisisse un petit peu parce que sinon, faut être n'importe nawak. Et quand vous faites n'importe nawak, c'est un peu comme la société. Ne pas punir les enfants les transforme en enfants rois. Et au final, on arrive à des sociétés où on fait des concours d'émotions et on ne peut plus rien dire sans engendrer de la susceptibilité. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, coquine? Ben ouais. J'essaie de vous faire un truc un peu plus propre parce que j'ai le sentiment que vous aimez bien traîner dans votre derme. Coucou télétubeurs, en traînant un petit peu sur Instagram, je suis tombé sur un compte qui parle un petit peu de, pas l'intelligence, mais en tout cas, s'accorder du temps, essayer de repérer un petit peu ce qu'on peut appeler en philosophie ou en psychologie, le pourquoi du comment on agit d'une certaine façon. Alors, comme je vais vite dans mon esprit, je peux essayer de le traduire comme ça. De mon insistance sur le respect, sur le bonjour, provient sûrement de l'histoire de mon abandon comme une épine que j'aurais toujours dans le pied. Et donc, pour éviter de ruminer et de rester bloqué, eh ben, il faut essayer de se retrouver soi-même. Donc, grosso modo, quand je parle de mets un casque et la vie est dure, c'est aussi mettre les mots OTS sur les mots de notre enfance, de notre petit moi. Et donc, en réfléchissant un petit peu, eh ben, je suis arrivé à un terme que j'ai découvert via un personnage qui s'appelle Céleste Grant, qui a une chaîne YouTube Bunker Sauvage, et il parlait pas mal de fois de synchronicité. Alors, je suis allé voir qu'est-ce que voulait dire synchronicité, même si je connais à peu près. La synchronicité, c'est, si vous voulez, c'est un peu, comment on pourrait dire ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est des informations que l'univers est en train de t'envoyer. Alors, on peut le traduire par des croyances religieuses ou des croyances métaphysiques, mais toujours est-il que nos actions ont des sources et nos paroles ont des conséquences, etc. Et donc, je suis allé je me suis intéressé à ça et je suis tombé sur, ben, justement, encore sur Instagram. Donc, sans rentrer dans le délire que dans votre téléphone, il y a un micro. Et du coup, en fait, on peut vous proposer, par exemple, des informations ou des publicités après des conversations. Par exemple, vous pouvez discuter, je sais pas, d'un film, d'un événement, et que quelques minutes après, vous faites une recherche sur Google et vous avez étrangement la publicité ou le thème qui vous est proposé. Donc forcément, sur Instagram, j'arrive à tomber sur des posts de personnes qui sont en train de parler de la bienveillance sur soi-même. J'ai retenu le canal Daryl Lanka. OK? Après, je suis tombé sur une vidéo qui parle de Carl Jung. J'apprends, et qui est aussi en contradiction avec Freud. Pour la petite histoire, a travaillé avec Édouard Bernays sur la théorie du consentement. Ce qui peut expliquer nos actions d'aujourd'hui, par exemple. Je fais un raccourci parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez que le PDG de Netflix et l'arrière-arrière-petit-neveu de Freud a créé une plateforme sur la distraction, oublier des choses à travers des films, des séries, etc. pour une diversion. Je suis allé sur Internet. Et je commençais à lire la conception de la vie psychique de Jung. Nanana. Donc j'ai commencé à lire tout bêtement. Carl Jung parle de Prométhée, Prométhéeus. Là j'ai pensé de suite au film Matrix. Donc je suis allé voir qui était Prométhéeus. Et donc le mythe de Prométhée,
Dans la mythologie grecque, Prométhée, un ancien grec, Prométhéus, le prévoyant, est un titan. Figure héritée du transmetteur du feu, Prométhée est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire le don aux humains. En fait, lorsque j'ai mentionné subi trois tentatives de meurtre, la première fut en Grèce, sur l'île de Kalymnos. La personne avait dit à la copine qu'il avait voulu me tuer. Et donc, je me suis intéressé en rentrant aux légendes grecques. Et la légende qui leur fait peur, c'est celle d'Héphaïstos. Héphaïstos est un enfant qui aurait été né d'un, pour punir Zeus, qui avait trompé sa femme Héra. Et pour le punir, elle mit au monde un enfant handicapé, Héphaïstos, le dieu de la forge et du feu. Ok? Faire le lien entre le mythe Prométhée et Héphaïstos. Et dans le mythe de Prométhée de Platon, dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan, c'est-à-dire une créature primordiale douée d'une force considérable. Prométhée est chargé par les dieux de façonner les espèces mortelles, animaux et hommes et d'attribuer à chacune les qualités appropriées. Épiméthée commet l'erreur d'attribuer toutes les facultés aux animaux, ne laissant rien pour les hommes. Prométhée, constatant ce manque et ne sachant comment doter les hommes, décide de voler aux dieux Héphaïstos et Athéna le feu sacré de la connaissance pour en faire présent aux hommes afin qu'ils puissent subsister. Il est puni pour cela. Héphaïstos est un mythe sur lequel je me suis accroché. Étrangement, une synchronicité ou une coïncidence, le hasard évidemment n'existe pas apparemment. Avant-hier, je suis allé continuer mon travail sur le blog. Il faut que je crée une espèce de plateforme, une terrasse avec tout le bois qui est autour de moi. Et j'avais cherché des poulies. Il y a 6 mois, j'étais en train de rechercher mes bolas. Et je sais pas pourquoi, j'avais pensé que je les avais perdues. Et en fait, je les avais clairement très bien rangées. Vous savez, vous mettez des affaires dans le bazar et vous les trouvez mieux que lorsque vous les rangez. Justement, donc il y a 2 jours, sur mes bolas, qui était le symbole, pour moi, de la légende Héphaïstos. Héphaïstos que j'avais développé en 2005, lorsque j'ai commencé à faire des prestations artistiques durant, c'est marrant, les Natural Games, avec Jam D, un groupe de musique. Donc voilà.
Héphaïstos, un enfant handicapé, forge un siège avec des bras articulés pour emprisonner quiconque et qui s'assoit dessus. Et en fait, qu'elle est remontée du fond de l'océan, il proposa à Héra de s'asseoir dessus. Et Héra, le suppliant à mort, ah, délivre-moi, là, là. Et Phastos, avec toute la bonté qu'il avait, délivra sa mère de l'emprise du siège. Voilà. Donc, en faisant des recherches et en essayant aussi d'appuyer sur mes mots AUX profonds auxquels je ne voulais. En tout cas, j'en étais conscient, mais des fois, on n'a pas envie d'appuyer là où ça fait mal. Et en fait, je me suis dit, ah, donc, la mort de mon père adoptif était, entre guillemets, comme une délivrance pour moi, un boulet enlevé, et donc, répercussions antérieures. Et aussi le fait d'avoir été arrêté par la police avec un test salivaire positif au cananana. Donc, une leçon encore pour me dire, il faut arrêter de fumer. Donc, tac, le padré, tumeur au cerveau, hop, on arrête les délires, on arrête de fumer. Je n'ai plus besoin de faire partie d'un groupe, je n'ai plus besoin de paraître. Et de me détruire la vie. Tacata. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis encore rasé hier soir. Donc, un petit peu, si je fais une analyse hyper rapide, c'est comme une chrysalide, c'est de changer de corps et d'apparence pour être en phase avec moi-même et éviter de faire comme au nom de la rose, de m'infliger des sentences. Et m'infliger le fait que les gens ne me disent pas bonjour en retour pour le faire exprès, comme je ne t'aime pas, Philippe, ce qui n'a rien à voir, ça je le sais très bien, mais quand même, il faut le verbaliser, en tout cas pour moi. Éviter aussi de trop réfléchir, ça c'est un de mes défauts principaux. Donc voilà, on fait des boucles, on essaye de faire des liaisons, des connexions avec mon moi intérieur. Tout est énergie. Et si je suis dans le positif, dans l'amour, alors, et c'est ce que j'ai déjà constaté auparavant, et que on m'appelle un peu plus souvent, on a envie de venir me voir, on a envie de me sourire, et pareillement, ben, j'ai envie de m'accorder de l'indulgence, de m'accorder du pardon et encore une fois arrêter de me mettre des coups dans la figure et dans le petit cœur et de mettre un casque parce que la vie est dure. Voilà, c'est du rationnel et je sens que je suis dans cette énergie bienveillante pour moi-même et on va voir aussi que ça nous mène. C'est génial. C'est génial. Une expansion pour créer l'énergie et engendrer la vie. Revenir au principe unique de la vie, du monde des éléments, celui des minéraux, celui des végétaux, celui des animaux. Enfin, dernière étape, celui des hommes. Bref, je voudrais comprendre. Je suis seul et j'avance. Vers ce bonheur inaccessible, je devrais souffler, me reposer de ces pensées mystérieuses et débordantes. Je ne veux plus croire, je veux connaître, ne plus juger les hommes, utiliser la compassion. Ah. Mortadelle, mais tout là, content. Yes! Yeah!
Bon ben 5h30, on a fini la terrasse. Coucou télétubeur, j'espère que tu vas bien. Alors, entre le moment où je me suis levé à 7h, là il est 9h30, alors j'étais parti pour faire un truc hyper chiadé et tout, mais en attendant, on va le faire comme ça. Donc j'ai préparé une espèce de auge pour les poules. Et l'idée, elle est hyper simple. J'ai rempli un seau. J'ai fait un trou, il était déjà défoncé, donc et normalement qu'elles vont manger au fur et à mesure, ça va baisser. Là, je vais faire une espèce de couvercle avec un bois. Donc, d'abord voir si ça fonctionne au niveau des poules, parce que il faut que je leur montre le chemin, quoi, un petit peu, quoi, comme pour les humains, faut leur montrer des fois le chemin, pour pas qu'ils s'éloignent. Ils ont un GPS, mais ils n'ont pas encore tout à fait leur instinct. Et c'est ce que j'essaie de faire en bricolant, c'est d'essayer de faire fonctionner l'instinct que je n'ai pas. Et t'as eu raison de pas prendre les mesures, Pierre. Hein. Et là, c'est cool, ça fonctionne. Et là, on va mettre une pierre dessus. On va faire la même chose dehors. Fais gaffe, Ribia, tu vas claquer une neurone. Parce qu'il y a toujours un mais. Tu vois, en France, quand on te dit nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées, bah des fois, ça serait bien de les appliquer quand même, les idées, quoi. Et comme il faut, et intelligente. Je me mets sur le côté pour voir si elle a vu. Yes, elle a capté. Coucou jeune télétubeur. Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent qu'il y avait un petit bug avec le labo d'analyse médicale pour mes urines en vue de la visite médicale. Et en fait, j'ai rien reçu sur ma boîte email depuis 2-3 jours. Même si je suis positif, je dors pas trop, quoi. En fait, je me couche à 11h30 et je me lève, il est 6h30, 7h. C'est pas dans mes habitudes. Pour le coup, j'étais un peu stressé et j'ai attendu jusqu'à 11h pour appeler. En fait, j'ai nettoyé de fond en comble la cuisine. Et je sentais encore un petit peu de tension parce que j'ai tendance à ruminer pour pas mal de sujets. Et là, en l'occurrence, c'était est-ce que je vais avoir ce papier. En fait, tu vas voir, je vais encore repartir pour 2-3 mois d'attente pour refaire une visite médicale. Ça fait un coup vers les avril-mai. C'est vraiment... Déjà, j'ai pris jusqu'à février parce que je n'ai pris... mon rendez-vous qu'en octobre pour décembre. Et en fait, il y avait trop de monde, donc du coup, eh bien, j'ai eu un rendez-vous qu'en février. Donc j'ai 4 mois plus un mois et demi. Oui, c'était vers le 13 décembre. Je veux bien être dans le positif, mais des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, j'ai fonctionné comme ça, là, ce matin. C'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je suis encore puni? Et après avoir fini de ranger, eh ben, j'ai fait à manger. Parce que je sens que, en fait, si la détox du tabac, ce qui fait manger les gens, en tout cas grignoter, c'est qu'en fait, le tabac agit sur l'estomac. Et ça, il faut le savoir. Donc, si tu sens que
C'est-à-dire que moi, ça picotait dans l'estomac, le réflexe, c'est pas de manger. Mais comme je me suis levé à 6h30, 11h, ça me va assez bien d'ailleurs. Je le sens même dans ma voix, dans mon corps, que ça va mieux. Et du coup, j'ai attendu un quart d'heure et j'ai appelé. Comme quoi, dans la vie, il faut arriver à reconnaître ses symptômes, ses angoisses, ses émotions, on va dire. Ça permet de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'autre jour plutôt. C'est ce que je vous disais l'autre jour, la synchronicité. Il faut mettre toutes les chances de l'univers de son côté pour avoir le plus de positivité, comme dirait Laurie. Voilà. De la positive attitude. Je sais plus ce qu'elle disait. D'ailleurs, je l'ai pris en photo, mais bon, on s'en fout. Allez, on continue l'aventure. J'arrive au labo d'Abena et apparemment, ils n'avaient pas mes résultats, mais ils n'avaient que pour le THC. Donc elle va chercher le résultat et au final elle a tout le résultat à un moment où elle va pour imprimer. Sauf que je suis positif les gars. Donc 2 semaines et demie, oui effectivement j'avais déjà fait 2 semaines et demie et c'était passé. Là visiblement je ne sais pas passer, je suis à 7 mg, je sais pas comment, bon bref. Donc je vais faire ma visite médicale quasi pour rien. Mais je vais compter un petit peu sur le facteur chance. Mais bon, ça c'est croire aux marmottes qui plient le papier Nutella ou je sais plus quoi, Nestlé, hein, qui contamine l'eau avec la complicité de l'État. Alors les gars, je vais sans transition aucune, je vais vous présenter mon pote Chapson, dont je vous ai parlé plusieurs fois. On fera un petit épisode avec Mister. Chanteur, compositeur, rocker, poète, poète, poète. Vous êtes filmé, souriez à la caméra. Et bien sûr, il faut qu'on se prenne un putain de camion. Alors là, les gars, j'ai les lunettes, mais je suis à tension à Mach 12. Et vraiment, ça commence à me saouler cette France où tu as des présidents qui prennent de la coke avec leur ministre et qui se font des soirées chemsex avec Bruno qui sait pas compter ce que c'est un nectar. Tout ça pour protéger Palmuche qui nous fait des blagues à 2 balles et avec son pote d'Armanouche. Voilà. Là, je suis en mode colère. Hein. Donc en fait, là, je vais quand même faire la visite médicale, mais c'est comme si j'avais raté un pénalty, quoi. J'y vais pour rien, quoi. Et je vais leur filer 60 euros en plus. Voilà, c'est pour toi que c'est pour la bonne cause. Ouais, si j'ai de la chance, j'arrive à avoir un rendez-vous dans 1 mois, ce qui serait pas mal. Vu qu'on est en Ardèche, qui a été le premier département pilote pour le test du Canana 1, franchement, les gars, je suis en tension, j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de me casser les burnes. Je devrais peut-être aller dans les soirées Chemsex avec Attal et c'est les bifteck Aftal. Je rigole, mais je rigole jeune. Le seul point positif qu'il y a dans cette histoire, c'est que j'ai arrêté de fumer. Alors, mon chapsou, il me fait une cohérence que je décris tous les jours. Le truc, et le mec qui m'explique un truc, mais il sait pas de quoi il parle. Il dit, il parle de données pour aller sur internet. Je dis, t'allumes ton téléphone et tu vas sur YouTube. Mais non, mais. Non, t'as pas compris. Alors, j'ai un autre téléphone. Ouais. C'est pas transférer les données. Tout ce qu'il y a sur ce téléphone, je sais pas le transférer mais sur moi. Ça n'a rien à voir à regarder une vidéo sur YouTube. Et mon machin, il lit même pas les vidéos. Ah, bah ça, c'est autre chose. Il est mou du cul. Alors ça c'est autre chose, tu vois? Tu vois? C'est ça que les gens n'aiment pas encore, ça c'est mon chap qui me pratique depuis 25 ans, hein, 24 ans. Donc il sait à qui il a affaire, hein, il va pas être susceptible. Mais il me parle de transfert de données, en fait lui ce qu'il veut me dire, c'est qu'il a des photos et des vidéos qu'il aimerait bien mettre sur son ordinateur, alors que moi je suis en train de lui parler de regarder une vidéo sur YouTube. Et voilà. Ah bah oui, mais oui voilà. Ah bah tu vois, c'est ce que je réexplique dans ma série YouTube. C'est pas mal l'à peu près, mais l'à peu près, on en finit avec des mecs qui se font injecter un produit expérimental et qui sont morts et qui finissent handicapés et qui n'ont plus la règle, qui ont des thromboses et qui ont des AVC. Mais bon, on va faire de l'à peu près, hein, ça marchera comme ça, quoi. Hein?
Le coup de chance. Alors, voilà ce qui s'est passé. Il n'y avait personne à la salle d'attente. J'arrivais. Tac, bonjour, là, là, vous êtes... Ah, monsieur Rivière, là, les deux étaient sympas. Et j'ai dit, bon allez, je vais être franc jeu avec vous. Je suis positif au THC. Et il me dit, bon ben, ok, ben, vous revenez dans 15 jours. Ben, j'étais parti sur 3 mois, quoi. Donc, entre-temps, ben, donc, je comprends rien de ce qu'il me dit. Je dis, non mais, il faut que je reprenne rendez-vous officiellement et tout ça. Il me dit, non, non, on le prend là maintenant. Donc, vous faites votre analyse le 22 et le 29, vous venez nous revoir. Je vais chialer, quoi. C'est les montagnes russes. J'arrive énervé. Et je rentre, il n'y a personne. Je rentre comme si j'étais à la maison. Tac! Bonjour, alors vous êtes monsieur, non, monsieur Rivière, ah ok, d'accord, que... oh, putain, c'est cool, dans ma tête, je me dis, ils ont fumé ou quoi? Ouais, parce que normalement, il faut passer par le site internet de l'État pour pouvoir prendre un rendez-vous, et en fait, il faut qu'ils t'annulent aussi le rendez-vous, c'est pour ça que c'est important d'y aller, parce que si tu vas pas, ça veut dire que tu joues pas le jeu, quoi. Donc, pour reprendre rendez-vous, c'est chaud patate. Donc, je leur ai filé 50 euros. Plac. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on leur donne 50 euros en pièces, en argent liquide. Bon, mon chapsouille, t'aurais pu pisser à côté de ta roue sur la Banque de France. Alors, et là, ils commencent à me dire, ah, mais je vous ai pas vu à la télé. C'est fort probable. Ah, mais si, oui, vous êtes les grimpeurs et tout. Il me chatait, il me posait des questions et tout ça. L'autre, il avait plutôt envie de rentrer chez lui. Il était sympa aussi. Bon, ben, on se revoit le 29. Et, mais sinon, je vais à quelle heure? Ah, vous faites ce que vous voulez. Vous venez entre 8h30 et 11h30. Voilà, ben, c'est génial. Ouais. Elle est pas belle, la France? C'est là. Bon, on est allé faire un petit tour chez la... comment ça s'appelle? Pour les fruits et les légumes. Et entre temps, on a regardé la boulangère, on m'a fait un sourire, j'ai craqué et je suis tombé amoureux. Mais bon, dommage, elle est trop jeune. Là, j'ai claqué une rétine, regarde. Hey, clic, clac, je range, clac, je passe.